Je ne viens pas de l'économie, je dirais plutôt que je viens de la littérature et je suis allé vers l'économie. Depuis que je suis adolescent, je griffonnais, quoi. J'écrivais des petits textes, aphorismes, poésie. Et je pense que j'ai su très tôt que l'écriture allait être une démarche qui allait accompagner mon existence. Je ne m'imaginais pas comme écrivain, mais je savais que c'était quelque chose d'important. J'ai commencé à jouer quand j'étais adolescent, de la guitare, du piano. Et comme j'écrivais des textes, donc j'en suis venu à la chanson, musique et texte. Et donc j'ai continué tranquillement ce travail-là. Et quand j'étais étudiant en France, j'ai monté un groupe. Et contre toute attente, l'aventure est devenue importante. Au départ, on jouait pour jouer. Et on s'est mis à sortir des disques, à faire des tournées et à avoir une vraie vie musicale, quoi. Une vraie vie musicale à telle enseigne que je me rappelle que lorsque j'étais en thèse, j'ai même hésité 2 secondes entre la carrière universitaire et la vie musicale entière et pleine. Voilà. Et puis j'ai estimé que les deux pouvaient être menés ensemble. Le sentiment que j'ai, c'est que l'économie, c'est mon job. C'est mon job, c'est une discipline scientifique comme une autre et qu'elle n'a rien à voir avec mon intimité profonde et j'irai et ma sensibilité artistique profonde, quoi. Je pense qu'il y a un temps long durant lequel on se pose la question de la légitimité et la question de est-ce que ce que j'écris vaut la peine d'être sorti de mon tiroir et être proposé aux autres? En quoi c'est important? Est-ce du narcissisme? Est-ce, voilà, les thèmes qui retiennent mes problématiques, mes sensibilités, ce sont des thèmes qui ont déjà été évoqués par d'autres. Qu'est-ce que j'apporterai de plus? Voilà. Et je pense qu'une fois qu'on a résolu ce genre d'interrogation-là, et qu'on estime qu'on peut aller à la rencontre de la sensibilité d'autrui. Donc j'ai mis du temps à résoudre cette histoire-là. Bien évidemment, je suis sénégalais, sérère, né à Niodior, africain, et tout ce que l'on veut. Mais en même temps, quand on sort de la boîte étroite de sa culture et qu'on se confronte à d'autres horizons, d'autres univers culturels, psychologiques et mentaux, on est forcément plus le même. On ne peut pas être le même, quoi. Ça voudrait dire que ces années en dehors n'ont laissé aucune trace en moi, ce n'est pas vrai. Elles m'ont profondément changé, elles m'ont amené déjà à m'interroger sur mon identité africaine, mais peut-être à considérer in fine que l'humanité était ma culture profonde. Lorsque je me mets à écrire, la question dans laquelle je pense, elle ne se pose pas à moi réellement. Alors je ne saurais pas vous dire en quelle langue je pense, mais je sais que je ne suis pas dans un effort de traduction d'une langue à une autre. Je n'écris qu'en français, puisque c'est ma langue naturelle, normale, d'écriture. Maintenant, je suis en train de me dire, à force de fréquenter Boubacar Boulaye Diop, je suis en train de me dire que je tenterai l'expérience en langue nationale. Donc j'apprendrai à écrire en CRR et j'ai envie de voir par moi-même, est-ce qu'en écrivant dans ces langues-là, j'exprime des univers, des choses qui n'auraient pas pu être exprimées par ailleurs dans une autre langue. J'ai envie de savoir, d'être édifié, parce que j'ai l'impression de m'exprimer globalement avec cette langue et de n'avoir aucun souci. Mais probablement, est-ce qu'il y a des régions de mon être qui ne sont pas dites? Je n'en sais rien. Donc ça, je tenterai. Je sais que j'écris des chansons en wolof et en serer sans problème. Mais le texte littéraire, je n'ai pas essayé, mais je compte essayer. Dans la littérature dite africaine, à un moment donné, il y a eu des thèmes qui étaient des thèmes classiques. La décolonisation, le rapport tradition-modernité, la place de la femme, les dictatures. Des choses de ce genre, quoi, ces univers-là. Je ne les interroge pas. Je ne sais pas pourquoi je ne les interroge pas. Et je ne porte aucun jugement de valeur sur ces thématiques-là. Je sais tout simplement que je suis préoccupé par d'autres obsessions, d'autres questions qui ont plus trait à la quête spirituelle, à la recherche de son identité intime et profonde, à des questions d'ordre existentiel. Bon, voilà. Peut-être qu'un jour, voilà, c'est des questions qui m'habiteront à
assez fortement pour que j'aie envie de les traiter. Ça ne me dérange pas et je trouve même, peut-être même bien qu'on parle de moi comme écrivain africain et en lisant peut-être mes textes, que ça déroute un peu. Si on s'attendait à ce que l'écrivain africain veuille dire ceci ou cela, on se rend compte que c'est plus riche, c'est plus varié et c'est plus diversifié que les clichés que l'on en a, quoi. Contrairement à ce que l'on croit, ce ne sont pas les infrastructures, le produit intérieur brut, les routes, les aéroports qui sont nos urgences. Et ça, c'est l'économiste qui parle. Notre urgence, c'est de retrouver notre puissance propre, de faire la paix avec nous-mêmes, avec notre image, avec qui nous sommes. D'abord, c'est de retravailler notre image dans le miroir. Notre urgence, elle est symbolique. Elle est dans la restauration de l'image dégradée que nous avons de nous-mêmes. C'est cette image dégradée qui fait que nous pensons que le salut est ailleurs, que nous pensons que nous n'avons pas les moyens de résoudre nos propres problèmes et que nous pensons que les solutions qui nous viennent d'ailleurs sont les solutions les meilleures. Alors que nous avons tous les éléments en main pour inventer notre avenir. Et c'est là-bas que les arts et la culture ont un impact important et fondamental.